Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Borderlands. Allez, décède. Hop, et c'est bon. Cette fois-ci, on va aller faire la quête principale à Frostburn Canyon. C'est parti. Ok, donc avant d'aller faire la quête quand même, je vais aller vite fait checker si on peut farmer, entre guillemets, tenter un légendaire, ou deux, peut-être deux en tête. Voilà, le v'là, notre ami. Adieu. Merde. Voilà, et il l'a lâché, très bien. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il a lâché son légendaire. Aïe. Donc t'es précis comme mec, toi. Ce qui est assez cool. Ah ah. Pas mal du tout. Pas mal. Bon, c'est pas celui que j'aurais préféré, mais pas mal. Ok, bon, le deuxième, il est un peu plus compliqué à monter. Faut réussir à y aller comme ça. Voilà. Et là, j'ai réussi. Ce qui est plus étrange, c'est que je me fasse pas agresser. Voilà. Et je disparais, tel un fantôme dans la brume. Et apparemment, il est déjà mort et il l'a pas lâché. Ok. On est devant l'endroit où on est censé aller. Salut les filles. Hop là. Voilà pourquoi il est pété ce truc. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment pas mal ce petit gun. Il fait véritablement le taf. Maintenant, ne pas trop l'utiliser parce que ça consomme en munitions. Cette saleté. Fou. Ah, il est pyromane du coup. Ah bah non, c'est pas celui-là qui brûle, je suis con. C'est pas mon shotgun qui brûle. Très bien. Ah. Ça y est, on commence à poser un gameplay. Le faucon ardent est quelque part par ici. Ah oui. Sois sur tes gardes. Après Jack, le faucon. Alors normalement, ici aussi, il y a. La personne la plus dangereuse de cette planète. Un légion. Enfin, c'est à bien quelqu'un qui peut battre. C'est toi. C'est bizarre. On dirait que les sans-pitié veulent attaquer le repère du faucon ardent. Inconcevable. Ils ont sûrement laissé des indices pour guider les renforts. Ils devraient te mener jusqu'au faucon ardent. Ou sinon, tu n'as qu'à suivre les hurlements. Reste en dehors de ça, chasseur. Ça se passe entre les sans-pitié et le faucon ardent. Lorsque mes gars l'auront ramené par la peau du derge. Comment ça? Ah oui. J'avais complètement zappé ce détail. Il est devenu brutal entre temps. Et moi je suis devenu de doigt d'être mort. Le monde se dévoile et les faiblesses en paraissent au travail. Allez! Bon. J'ai dit qu'on devait pas en abuser. Du coup, on n'en abuse pas. Adversaire de pacotille. Oh, de pacotille. Furtivité. Aïe. Aïe, aïe. Allez, décède. Merde, il va exploser. Non, c'est bon. Ok. Putain, j'ai un vieux doute. Oula. Je crois qu'on est dans la zone. Touché. Je crois qu'on est dans la zone. Ou pas loin. Ou pas loin. Je sais plus c'est laquelle. Je sais plus du tout comment je suis censé la trouver. Je sais que c'est dans une flaque. C'était pas mon style d'arme de mémoire. Mais bon. Si ça correspond à ce personnage là, tant mieux. Ça va être là.
Ha. Lasco, la voilà. Ok. Le roi des flingues, voilà. Parfait. On l'a trouvé. C'était pas un légendaire, je crois que c'était un légendaire. Écoute, pourquoi pas. C'est parti! Direction la quête principale. Voilà pourquoi elle est intéressante. Parce qu'elle vous suce vos munitions comme personne. Voilà. C'est surprenant. Le Faucon Ardent a déjà causé des ennuis aux Sans-Pitié, mais c'est la première fois qu'ils organisent une attaque aussi violente contre lui. Je me demande d'où leur vient cette confiance d'un seul coup. Sans-Pitié en avant! On va lui faire regretter à cette chose de nous avoir pourri l'existence. On va lui faire faire des bulles dans ses propres excréments. Ah! On peut compter chaque minute. Ah. Allez! Et boum! Je sais qu'il y en avait un autre qui me tirait dessus, mais tout va bien. Ok. Tu penses que le faucon ardent a eu raison? Ça doit être par là. Tu sais, il paraît que le faucon boit des smoothies à la purée de bandit. Mais t'inquiète, je suis sûr que ce bandit de Roland n'est pas en danger. Évidemment, si Roland n'avait pas commencé à jouer au con, il... Oups, j'ai failli dire mon secret. Ah. Pour moi, ce sera... Ok, tu veux t'amettre? Tiens. Tiens. La réplique qui tue? Oui, je sais. Hop là! C'est ce qu'on appelle l'efficacité. Je peux pas la prendre parce que je suis plein. Tu me connais. C'est souvent le cas. On pourrait être un peu plus plein. Laisse-moi t'expliquer un truc. Même si tu arrives à sauver Roland de ce fameux faucon ardent, les pillards écarlates feront pas de vieux os. Tu sais quoi? Je crois que t'as mérité un petit indice. Mon secret concerne la mort de votre résistance de pacotille. Pendant que moi, je rigole. Beaucoup. Il est con. Jolie attaque. J'aime beaucoup. Maintenant, te sens pas obligé de me la refaire. Ça va bien, merci. Il y en a encore un ridicule qui va me... Voilà. Ça prendra. Les munitions, je crois que je vais en avoir besoin. Ok. Ah oui, je me rappelle de cette zone. On sait pas qui viendrait jusque là. Je veux compter chaque minute passée avec toi. Oh, t'es mignon. Je vais te l'arracher, ton dernier souper. Ok, on est en train de gaspiller nos munitions. Oh putain, oui, ceux-là, c'est les biens. J'ai eu un doute, j'ai bugué l'espace d'un instant. Mais... Eux, c'est du bonheur en boîte. Voilà! Et là, on n'a plus qu'à attendre que ce monsieur devienne un brutal. Faut le laisser tuer des choses. Maintenant, elle est toute rouillée et cabossée. Et surtout très loin. Oh, tu sens bon. Sans trop pire du slip. Bien séché, ta gueule. Brutal. Oh oh. Oh l'erreur. C'est bon. Parce que... Oh non. Oh j'ai la haine.
Oh, j'ai la haine. J'ai la haine. Non. Le repère du faucon ardent. Je t'en prie, fais attention. David. Il doit y avoir des pièges partout. Tu vois? Des pièges. Ne te laisse surtout pas. Putain, je l'ai pas vu venir. Ok, c'est pas grave. Je suis toujours plein sinon. Je suis tellement vexé pour ce brutal. Tu as senti ça? La mélodie des tremblements de terre accompagne mes foreuses qui se rapprochent de la marche. C'est le son du progrès, baby. Il con. Sur lui. Boom, bitch. Get out the way. V'là la maman. Salut. Salut, Lilith. Pas la forme. La forme? Les bandits me surnomment le faucon ardent, mais je m'appelle Lilith. Je suis avec les pillards comme toi. D'accord. Je fais régner l'ordre chez les bandits pour que Roland puisse se concentrer sur Jack. Nul n'est plus dur que longue Jack. Histoire, grosse hémorragie interne. D'accord. Tu peux me filer un coup de main? Ouais. Y'a pas de sushi. Tu peux me faire la même après, s'il te plaît? Ouf. Je suis à 68 PV. J'ai besoin d'un petit remontant. Ouais, moi aussi. Va me chercher de l'iridium, tu veux? Je dois en avoir dans un de ces coffres. Ok. C'était pas ces coffres-là. Très bien, j'arrive Lilith, hein, t'inquiète pas. Hein. Continue à agoniser, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Tu veux bien m'en donner? Je sais pas. Parce que est un peu radin. Tiens, cadeau. Merci beaucoup. Je t'en prie. Toujours aussi badass à ce que je vois. Faudrait les mêmes tatouages, mais bon, ça ferait sirène. Ah, oh, merci. Je t'en prie. Je parie que tu cherches Roland, hein? Oui. Il est pas ici. Les sans-pitié l'ont capturé. Ils sont surexcités. Ils m'avaient jamais traqué comme ça. Ah, bah tiens, Agathe, ça continue. Ils sont dedans! Chopez-les! Attends bien, j'ai pile le gun qu'il faut. On va se marrer. Je vais voir si je peux en désintégrer quelques-uns pour toi. Ah, c'est adorable. Tu sais que je suis grande, hein. Je veux dire, j'ai quand même the gun. Ah, c'est la grosse boucherie quand même, hein. Alerte à la brutasse. Ah bon? Où ça? Ah oui, et puis tu mets des méchants coups, hein. Si je peux me permettre. Permets deux secondes. Hop là. Get wrecked. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Le faucon ardent. C'est pas encore fini. Eh bah... J'avais pas vu des munitions, à part là, mais je les ai déjà prises, pardon. Merci. Tu peux essayer de pas les tuer pendant que... je le fais? Ah. Marcus, faut que t'apprennes à jouer en coop. Parce que dans le prochain volet, il y aura des... les PNJ qui t'aideront. Je veux te voir. Non, je veux pas aller sur le banc. Joli. T'aurais pas genre loupé un peu ton coup? C'est bon? Des brutas énervés. Hop là. Deux secondes, je recharge. Voilà, merci. Hop les... comme papa dans maman. C'est bon? C'est bon. Nice to loup. On s'ennuie pas. Je suis un peu vidé quand même. Tu peux me filer une autre dose d'iridium? Allez, c'est parti, je vais te chercher tes ouais, doses. Ouais, c'est ça. Tu veux bien m'en donner?
Ouais, je sais, tu te répéterais pas un peu? Oh. Ok, tiens, vas-y, mange. Merci. Mange. Mange, arrête de vouloir faire des kamehameha et mange. Bon, laisse tomber. C'est bon? Ah, oui. Depuis que l'arche a été ouverte, mes pouvoirs de sirène sont un peu bizarres, grâce à ce truc-là, l'iridium. Je sais pas pourquoi. Bon, et si on s'occupait de sauver mon fiancé? Au petit passage, comme ça, c'est son fiancé. Enfin, ex-fiancé. Avant de se faire choper par les sans-pitié, Roland récoltait des infos. Roland récoltait des quoi? Je sais plus ce qu'il faut comme mode de classe. Ce serait peut-être pas mal, en vrai. Ah oui, mais je crois que l'autre, il a des dégâts de corps à corps et plus 20%. Ouais, non, dégâts de corps à corps. Sur l'arche et sur les projets de Jack. Tu dois le retrouver. Moi, je vais retourner à Sanctuary, faire en sorte que la ville n'implose pas en l'absence de Roland. Mais d'abord, je vais te téléporter à Bloodshot Stronghold. C'est là que les sans-pitié gardent Roland. T'as pas genre me téléporter là, pourtant surprise. Ça va être tip-top, bouge pas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je t'ai fait bouger de 3 mètres, c'est ça? À peu près, ouais. Désolé, je ne maîtrise pas encore tous ces pouvoirs. M'en fous. De toute façon, à Bloodshot Stronghold, c'est pas détendre. Tu ferais peut-être mieux de t'entraîner avant de te frotter à eux. Et en train de dire que je suis faible. Bien. Continue merci. Comme ça. Ouais, je sais, merci. Pourtant, tu as une manière de m'entraîner, quoi. C'est un peu méchant. Voyons honnête, hein, c'était même assez peu sympathique de ta part de dire que je suis une fiotte et après me dire ouais mais c'était pas si mal. Salut la terreur, je suis à Sanctuary. D'accord. Fais attention, les sans-pitié se sont installés tout autour du barrage. Okay. Un conseil, trouve-toi une caisse parce que tu vas te faire canarder. Oui madame, à vos ordres madame. Trouvez un véhicule. Ces voitures sont les plus sûres de Pandore et ces chiffres le prouvent. C'est parti. Ouais, pas grand monde on dirait. Continue de rouler et donne un coup de klaxon. Ce sera peut-être pas si dur après tout. Ouais, ouais, j'ouvre la porte. Attendez, abruti. C'est pas une de nos bagnoles. Ils sont là pour l'otage. Fumez-les. Impossible que tu rentres comme ça. Les sans-pitié laissent rentrer que les bagnoles qui ressemblent aux leurs. D'accord. Va voir ma sœur dans le dust. Ah, Ellie! Sur un bon coup. Ellie vit en plein territoire hors la loi. Mais attention, amigo. Vraiment. Alors ça y est, t'es dans le test. Ouais. T'as plus eu de signal écho pendant des heures, je pensais que tu t'étais fait avoir. Mais t'es toujours là. Bah ben oui. Cool. Tout ça. Goose! Aïe. J'aurais dû buter ton gros cul il y a longtemps! Pardon, tu disais? Parle un peu plus fort! Ah, la cinématique n'est pas mise à jour. Elle va être plus belle en vrai que dans la cinématique. C'était génial. J'espère. Ah, salut! T'es déjà là, toi? J'espère, parce que j'ai pas installé un pack de texture 4K pour ça, quoi. Ça va, elle est mieux. Ok, cool. Moi, c'est Ellie. Mon frangin cool. Scooter m'a prévenu que tu venais. J'ai pas beaucoup de visites par ici, surtout des canons comme toi. Tu pars sauver ton patrolon qui est retenu au barrage? Alors tu pourrais prendre l'avantage sur les sans-pitié au volant d'un de ces bons vieux poids lourds. J'en ai un juste là, si tu... J'ai explosé le conducteur dedans. Ouais, j'ai désolé. Vu. Désolé. Bon, j'ai une caisse standard dans l'atelier et la plupart des pièces qu'il faut, on va la maquiller avec des conneries des bandits. Points de sang, crânes, ce genre. Tu pourras en récupérer sur leur caisse qui patrouille dans le coin. La quête qui m'a le plus marqué, la quête secondaire qui m'a le plus marqué. De la zone. Danger Zone. J'ai la rage, mec. I'm waiting the Danger Zone. De sadique. Vole leurs balles et brûle leurs filets. Et pourquoi c'est aussi fun pour moi, c'est parce que c'est une référence à récupérer le matos sur les épaves. Et Top Gun. Je sais pas s'il te traite de tous les noms, hein. Après c'est encore plus marrant de les buter. Alors, infiltrer le camp d'hélico. Ça se passe où? Là-bas. Alors comme ça tu t'entends bien avec ma sœur, hein? Super, super.
bien sûr, si je te prends à te foutre de sa gueule, je t'attache à un distributeur automatique et je fous le feu. Mais c'est super hein, que le courant passe entre vous, c'est chouette. Ouais. Vraiment. Je te tuerai pas. Attends, j'ai besoin de tes pièces, Salut, arrête, bonhomme. Ma station autonome fonctionne maintenant. Alors ramène ton derche à mon garage si t'as besoin d'une caisse. Voilà, donne à papa. Oh, putain. Une caisse de moins. Ah non, je crois qu'elle était venue. Elle avait réussi à se caler pile à l'endroit. Ok, deux pièces. Je viens juste de finir de préparer la caisse. Manque plus que les pièces détachées de bandits. Encore une poignée et on sera bon. C'est quand même chelou que tu me dises avec autant d'entrain. Ah, il est pas censé y avoir un brutal ici de temps en temps. Je sais plus. Je me fais agresser par un hélico par contre entre temps. Qui est un peu plus problématique. Hop les résolus. J'ai mémoire, j'avais un brutal de temps en temps qui est par ici. Elle traverse mon équipement. Je dois m'en débarrasser. Ok, oui j'ai pris Ultra Chair, je confirme.